I started at Fisher as technical manager in 2006. Since 2018, I'm managing director of Fisher Friends subsidiary. Innovation, reliability and professionality are the key of the Fisher success. We are not just offering products. Through the listening of our customers, we are developing the solutions they need. Our values are responsible for being awarded the contract for the big project like Le Grand Paris Express. As product management, as you know it from the textbook, is always the link between the market, the customer, and the development. We are proud to be able to play in that role in the game to help the development department develop innovative products that are reliable and as well as professional, what Fisher is well known for. Our Phycian Plus, which is also used at the Le Grand Paris Express construction site, has a service life of 100 years, which is approved by ETA. And this was also one of the requirements that the customer at the construction site at the big project Le Grand Paris had. Achieving this project was a long journey because there was no European product standard to justify the need of the 100 years lifetime. In cooperation with our colleagues of the chemical factory, we developed a French approval to validate the 100 years lifetime of our products. So the Grand Paris Express is a really interesting project. It's a huge project going on now in Europe, and if I'm not wrong, it's the biggest project going on in Europe, mainly for the underground sector and from subway sector. It will build over 200 kilometers of dune tunnels over a 10-year period. It started back in 2018 with the first lines, 2018-17 with the first line of line 14, and then now with line 16, we're going up to 2027. And I will keep going with the line 18 to up to 2030 and over. When we started working on this project, we were doing like 20 kilometers of tunnel, we were thinking how to optimize all the fixation that we're using in the tunnel, how to optimize everything that we're using to install the conduits, the walkways and the conveyor parts. We have been using the Fisher product since the beginning of the mining operation. That allowed us to have only two types that we're using for different use, and that allowed us to reduce the mistakes. Alors aujourd'hui on se trouve sur la future gare du Bourget. Donc c'est une des deux gares emblématiques de la ligne 16. Sur cette gare, il y aura deux lignes de métro qui vont desservir la gare, notamment la ligne 16 et la ligne du 7. Il y aura également une connexion avec les lignes existantes, notamment le RERB, plus également le tramway. Les produits Fisher aujourd'hui, on l'utilise en fait pour tout ce qui est scellement de ferraillage en bas, sur la paroi moulée ou autre. Après, on utilise aussi personnellement les chevets à frapper aussi là, pour plaquer tous nos CP en fait, pour faire un fond de moule. Deuxième chose, c'est par rapport à la résine, c'est qu'on peut stocker dans un endroit qui n'est pas vraiment très très chauffé, il ne faut pas que ça soit gelé. Mais on n'a pas besoin d'avoir un conteneur chauffé pour stocker la résine. Troisième chose, c'est que c'est des résines, c'est des cartouches qui sont assez gros et assez rigides. Et ça permet quand même, malgré nos ouvriers, nos compagnons des fois qui mettent une cartouche dans une caisse ou quoi que ce soit, elle n'explose pas. Alors le lot sur lequel nous travaillons chez Fage Génie Civil, donc la construction donc, du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express, au total ce sont 26 ouvrages, parmi lesquels 5 gares qui donc vont desservir deux territoires, paritaire d'envol et pleine commune. Donc on est dans le département de Seine-Saint-Denis, un département qui va être énormément impacté par l'évolution du territoire dans les années à venir, à savoir les Jeux Olympiques,
qui vont être en 2024 un élément très très fort et pour lesquels il y a énormément d'aménagements qui sont réalisés. Et notre projet s'inscrit dans cette dynamique-là, avec notamment la construction de la gare Saint-Denis-Pleyel sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Gare qui, à terme, aura une fréquentation à peu près équivalente à Châtelet-Léal. Donc on se rend compte un petit peu de ce que ça veut dire en termes de fréquentation. On subit actuellement les travaux quand on est automobiliste. On l'imagine plus vert, donc peut-être accéder aussi à tout ce qui est espace vert en Ile-de-France de façon plus rapide. Et puis bah, pour nous qui sommes dans le BTP, on imagine avoir réalisé beaucoup de nouveaux tronçons avec des partenaires comme Fischer sur d'autres voies. Mais c'est vrai que voilà, il va y avoir de l'activité très très forte en Ile-de-France. Donc ouais, je pense que le Paris et l'Ile-de-France de 2035, le Grand Paris de 2035, ne sera pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, je l'espère en tout cas. So since the beginning of the project, we have been using Fischer projects. We had no issues for our installation. Il y a un bon contact commercial. Ils sont assez réactifs. Et puis tant que ça se passe bien, on continuera à travailler ensemble. Through a project like Le Grand Paris Express, Fischer demonstrated once again its capacity to fulfill the need of the biggest European urban project from a product point of view. The brand Fischer is worldwide known for its high quality products and also for its service. It makes me very proud to know that our products ensure the safety of those projects. I'm really proud that all Fischer people involved gave their best to fulfill the requirements of the project and satisfy our customer Eiffage. From a personal point of view, when I'm coming afterward, I'm just proud to have been a part of the project. When I'm standing in front of La Grande Arche, I just say to myself, you had to do it. This will surely be the case in the future when I will use the new metro lines in Paris.